J'ai toujours été fasciné par j'étais gamin, c'est un peu comme tout ce qui est science dans les mains, donc pas des livres sur les étoiles, et toujours ça dans les mains. On va faire de la stimulation transcrânienne magnétique. On va tester une thérapie qui va se faire après un parti clinique, qui a déjà commencé il y a à peu près un an. On traite des patients au service sans déviation de la douleur. À l'heure actuelle, on met 30 trains au total dans la simulation. Il faut un rythme qui soit très élevé. On évalue la douleur entre 0 et 10. 0, aucune douleur. 10, la douleur maximum imaginable. C'est vrai, d'un patient à l'autre, ça peut changer ce maximum. On va dire qu'il y a une douleur quasi constante entre 8 et 9, avec des pics à 10. Moi, ce que j'aime, c'est réfléchir sur la faisabilité. On a une idée, on a une recherche, on veut déterminer un mécanisme. La représentation corporelle, la douleur est très importante pour toi. C'est quand même une machine qui est impressionnante hein, quand on la voit. C'est quand même le cerveau. Quand on fait de la recherche, c'est un peu comme une pelote, comme dire qui est emmêlée, qui a un fil qui est très emmêlé. Vous défaites un petit peu, et hop, vous tirez un grand bout. Là, c'est une super découverte. Puis des fois, vous mettez un temps infini. C'est ça la recherche.